Ok, m'a pu encore enregistrer séance ça pour être que nous avons une chance de garder lui après encore et que l'autre monde tout qui besoin continue à garder lui capable de profiter de ça que nous avons transmettre l'information ça. Pour aujourd'hui, nous pourrons surtout parler de, nous pourrons continuer avec séance de lecture graphique yo, donc qui que nous avons commencé déjà et avant année a fini. Donc, c'est ensemble avec eux, on a continué là. Et je veux dire, nous allons surtout garder sans décaler le support avec, avec résistance. Et de façon, il y a un point que je vais ajouter, comme moi, un petit genre intéressé en pile la sécurité, sécurité plateforme. Et je veux dire, l'autre point qui s'est décalé, ANAC ou SCAM, que je vais et attirer l'attention sur lui, éventuellement, nous sommes capables de. Pas prendre là-dedans ou bien éviter prendre là-dedans de toute façon. Ensuite, nous allons garder à passer à pied joint, élément que nous avons déjà l'année passée, et puis nous allons faire introduction à Baby Pips. Je me rappelle que nous avons partagé le lien ça avec nous, si ce n'est pas avec nous, avec tout le monde qui suit et présentation ça le samedi. Et nous allons faire partie élément essentiel de présentation d'Abgain dans la série ça. Ma utilise l'autre document, que livre que j'utilise dans le cadre de formation par moi, mais tout, c'est élément essentiel parce que c'est gratis, donc à accéder à lui n'importe où. Donc, je pense que c'est un bon matériel pour nous capables de suivre. Ensuite, nous pouvons faire un rappel à pied, joint de bougie, et puis nous pouvons rentrer d'emblée dans support avec résistance, même quand nous pouvons apporter tout type de bougie ou qui ça veut dire ça au fait. Même penser en attendant, comme nous avons rentrer dans position, sur la position. Et moi, je crois que support, connaissance du support avec résistance, notion ça critique pour nous être capables de comprendre. Et puis tout, nous pouvons garder tout rapidement si possible. Garder quelques exemples pratiques dans le cadre de TradingView que nous avons présenté pour nous tous et en termes d'outils. Si nous ne pouvons pas utiliser TradingView qui est disponible dans les plateformes que nous avons utilisées, mais tout au moins, nous pouvons utiliser l'I et de façon isolée. Ça qui soit website là ou bien et application de DevStory là. Même quoi que une application mobile, donc même pas faire une top conseiller une analyse sur application mobile. Donc, principalement, nous avons que nous comprenons ces 10 notions, ça, nous avons que nous avons une meilleure compréhension de l'I, c'est-à-dire que l'impact sur un graphe, c'est-à-dire que dans n'importe quel intervalle d'habitude, dans 15 minutes, 5 minutes ou une heure de temps, l'impact sur l'I, nous sommes capables d'identifier et côté qui a marqué des zones de support ou des points de support ou bien des zones de résistance si que dans l'intervalle là nous avons rentré et nous avons sorti notre trade. De toute façon, si que nous avons compris éventuellement pour nous arriver jusqu'à tracer de façon nette et éventuellement, même quand nous n'avons pas bail nos signal. Il est vrai que seulement support avec résistance, pas qu'à faire ou rentrer dans position, mais c'est des éléments essentiels, des éléments clés dans le cadre de prise de décision. Ça. Et en quelque sorte, tout faut que nous disions que analyse technique ou bien signal ou bien des indicateurs, effectivement, ce sont des indicateurs. C'est ensemble ou ensemble que vous combinez qui pour permettre ou prendre une décision et particulière entre rester en position, fermer les. D'accord? Donc, c'est ça, mais en général, si que l'infini, nous sentons que nous comprenons ça, m'a dit formation réussie. Sinon, on a continué à faire révision là-dedans et puis tout m'espérer que nous-mêmes, on a continué à faire lecture, beaucoup de pas nous, pour nous capables mieux et maîtriser, appréhender et puis maîtriser les notions ça. Et pour une pas de lit, comme m'intéresser à Jean-Tab Dinoan à causer qui est les sécurités portfolio, c'est vrai, c'est pas là que nous avons un paquet de cobs sous account, non, et puis qu'on y a, nous pour la crise, pour le prendre, nous, le monde va pirater, nous, ou bien le monde va hacker et système, nous. Il y en a un classique, map gardé actuellement là, qui a depuis fin décembre, qui a ravagé Internet là, malheureusement. Comme moi, je cherche, je garde un pile sur YouTube, par exemple. Moi, quand je tombe sur YouTube. Donc, moi, je tombe sur ça. Et ça, c'est toi, dans Chanel, que moi, j'ai visité et qui a fait le même travail là. Pratiquement, qui j'en ai?
Gen Krypton Channel, gen Daniel Vera Channel, gen Vlog Tog Channel. Donc, c'est si nous Google sur YouTube, nous avons probablement eu 5-6 vidéos maximum. Donc, qui ça a fait? Il montre, il a fait un bot. Un bot, normalement, c'est un robot. Qui ça a broyé? C'est lui-même, en guise ou même autre chose sous blockchain, il permet de faire transaction automatique pour garantir des profits. Donc, qui s'adapte à un bagage extrêmement intéressant pour un monde capable de gagner sur ordinateur, sur téléphone, pour capable de faire des choses pour. Mais par contre, tu même ça au fait, code yo partagé avec vous dans la vidéo yo, ou bien dans l'instruction yo ba ou yo, yo pas gagné à ouais avec un robot cap et découvrir. C'est juste un ensemble de codes qui fait que, les que vous voyez, et crypto-monnaie, ou voyez crypto-monnaie, soit BNB ou bien Ethereum, bayon adresse que vous pensez ou même pour créer, vous même encore, vous capable à extraire et vous fait que vous voyez comme ça, bayon adresse yo, au final. Et puis, chaque 2, 3, 4 jours, vous récoltez et vous récoltez BNB ou bien Ethereum. La donne. Qui c'est, on a que pour nous très peu de la donne. C'est-à-dire que si son bail est trop beau pour le cap vrai, il est possible pour lui et pas vrai, effectivement. Et un autre bail qui gagne la donne encore, qui est extrêmement intéressant pour nous parler de lui, c'est que il a désactivé tout commentaire qu'il y a un monde capable de faire. C'est-à-dire que si vous-même, vous te prenez la donne, ou bien vous te prenez la donne et pour partager commentaire ou expérience, pour moi-même, les mingardes, je ne pas prendre la donne tout, commentaire ça, je ne pas jamais kaweli. Les juste rester dans le système, il n'est pas repartagé. Qui fait que, à ça, si pas de monde qui parle de lui, il a continué pour un bon bout de temps jusqu'à ce que et monsieur finisse prendre. Ou bien monsieur Damien fin point un paquet de lâches. Donc effectivement en résumé c'est alerter nous guindiba et nous ouais qu'a passé sur YouTube bien sur internet là parcourir al voyer soit crypto monnaie puis qu'a doublé pour nous ou bien al prend code monio al mettre sur ordinateur pour qu'a transformer en robot pour qu'a trade pour nous. C'est en mesure de précaution qui nous capable. L'autre fois, m'a venu avec l'autre technique pour nous qui parlait de sécurité, mais qui est les airdrops que nous capable profiter et de lui. Donc, d'ici là, je pense que nous allons entrer d'emblée dans la présentation. Donc, on se rappelle rapidement de Sousanté Carrelli en respondant à la technique. Généralement, nous t'ai dit que l'information noire, analyse fondamentale, lui-même, il pourrait regarder surtout valeur intrinsèque et compagnie ou bien projet A, ça qui balle et toute valeur li, en tant que compagnie pour le capable, soit pour le capable et vin plus grand, ou bien vin vaut plus dans l'avenir. Donc, c'est ça qui fait que on peut regarder les investisseurs qui l'a sur long terme, sur le long terme, on peut surtout intéresser à aspect analyse fondamentale là, fondamentale là, fondamentalement que sa compagnie ça fait. À l'opposé, il y a un trader, un day trader, il y a un swing trader, il n'est pas trop focus sur l'analyse fondamentale là, ou du moins, il dit que l'analyse fondamentale là, guettant prix, variation prix à guettant refléter et fondamental là, donc lui-même l'a regardé qui, sa changement dans prière, côté prière après aller, c'est lui l'a essayé anticiper à travers graphique pour capable permettre lui et profiter de série d'opportunités. Donc, dans le cas par nous là, mon qui investisseur, il focus sur fondamental, mais nous-mêmes, par exemple, qui a fait et qui a trade future, qui nous-mêmes, c'est 1 minute, 5 minutes qui intéresse nos gens pour y avoir changé. Donc, c'est ça qui fait que, et travail noir, pour plus mettre accent sur analyse technique, analyse de graphes, analyse d'indicateurs, qui est capable de nous anticiper, ou du moins potentiellement anticiper sur côté prix à aller, et qui vient qu'à positionner nous pour être capable de faire l'argent. Et en quelque sorte, il y en a une base de formation, ça, j'ai dit au départ là, m'utiliser documents, que plusieurs documents de formation que me procurer moi, ça sont exemplaires qui est très bon et très simple, il y a l'autre qui est l'autre côté. Donc, mais de toute façon,
Yon eleman kle ke m ap utilize pou sa, se sa ki le Baby Pips la. Il est vrai que lise on plateforme d'éducation pou moun capture de Forex. Forex se échange, se monnaie d'échange, tan kou pè et dollar américain, dollar canadien, et livre sterling, dollar américain. Donc, li, c'est ça li fait essentiellement. Mais par contre, par le fait que ou vingè et toute graphie, toute influence de prix, que sous stock, que sous forex, que sous crypto, il est vraiment corrélé ou bien c'est presque un bar là. Donc, parce que même technique qui est appliquée sous système forex là, échange de devises là, il est toujours appliqué sous crypto, qui fait que qui bail là, il y a une série de légitimité. Pour nous-mêmes, même quand c'est crypto nous va prendre ou bien crypto futur, que nous pouvons utiliser comme base et de formation. Donc, dorénavant, c'est parce que toute formation à faire a essentiellement base sur lui. Et un monde qui prend temps à regarder les modules qu'il a donné, là, je pense que la plus bien et comprendre, ça me parle dire, et probablement capable de poser des questions pour aider à grandir. Connaissance li sous notion que et qui en dans document en dans document ça. Donc on s'y rappelle tout coûte et comme nous pouvons le faire ça qui est analyse technique bien à la sport résistance, j'ai juste passé à pied joint encore sur ça qui est bougia. Nous connaissons bougia couleur caractérisée s'il vous ça veut dire prix que l'été l'ouvria, c'est-à-dire les minute là tu commences à l'aile fermée, l'aile fermée plus bas que ça. Donc, qui veut dire, et bougia, c'est-à-dire prix à descendre dans l'intervalle de temps à considérer là. Par contre, si que l'intervalle de temps commence à prix l'aile ouvria, l'aile plus haut, et prix l'aile fermée plus haut que prix l'ouvria, donc bougia, l'aile gain couleur vert, qui dit que, ou gain en croissance, donc en succession de bougies vertes, elles ont train ou bien uptrend, c'est-à-dire en croissance qui a augmenté, si que tout, ou bien ensemble de bougies qui rouge qui une vignée après l'autre, donc ou bien tendance à descendre dans prix market là. Donc, je voulais faire passer sur ça rapidement pour nous. Je dis à nous parler surtout et ouais, question qui a rapport avec support et résistance, c'est qui ça au niveau de supporter. Et qui ça, au niveau de résistance, et qui j'en nous-mêmes, nous capables d'utiliser l'I en faveur nous, pour nous capables de prendre décision dans l'activité juridique que nous faisons. Donc, je dis que résistance là, c'est presque son niveau, les prix arrivés là-dedans, il a tendance à frapper, et puis l'I descend, il redescend encore. Mais qui ça voulait dire en quelque sorte, c'est que les que on paquet monté acheté, et token ou bien t'es acheté stock là non niveau ici à qui bas les gros niveaux dans tête yo défini que y a prend profit la donne, c'est-à-dire que nous vinn gain dans cas ça en guise que moun yo continue acheter vinn gain plus moun k'ap vendre nan point ça pendant les prix a t'ap monter, c'est que gain plus moun qui t'ap acheter dans niveau ça l'aile li continuer à monter à l'arrivée d'un point pour nous capables de vendre et prendre profit du fait que nous avons acheté le plus bas. Donc, les que plus monde qui t'a acheté en bas à vendre là, donc marché a gagné plus vendeur que acheteur. Ça fait que le prix a vint descendre. Et les que mon yo fixé ça, ou bien trader a fixé en tête, ou bien gagné signal ça, donc ça a risqué by on gros support. En gros, résistance, si nous voulons, pour me corriger ça, moi, je te dis. Et les capables, faites dans le sens monter. Nous, quand regardons là, nous pas gain en sideways, nous pas gain en déplacement latéral, comme résistance sur un pi de plus en plus haut, ou même quand dit que tendance là, au tendance, au gon uptrend, pendant que à chaque intervalle de temps, résistance ou a changé. C'est-à-dire que, mon qui t'a acheté là, you vend. Par contre, ou pral vinge, un point de support qui vient former. Point de support là, qui ça que li vle dit, effectivement, li nou ka wel simple. Nous connaissons marché à son question de pression ou bien échange entre moun kap vend, moun kap acheté. Disons, demande et offre. Ou du moins, tout qu'on y a là, à chaque fois que vous arrivez à un point,
ou vin gen moun yo ap achete plus que y ap vann. Donc, zone ça risque créer un signal qui dit que dès que moi prix a approché zone ça li moment pour me cap acheter parce que li gen impression que par exemple on qui te prend profit là les prix a descendu niveau ça li still gen que li te prend parce que li te commencé là donc li cap acheter li cap vendre dans point ça éventuellement. C'est parce que tout le monde risque à faire même bagaille là, qui fait que l'open là, ça va nous représenter en résistance, mais les prix à descendre de 1 unité, 2 unités, 10 unités, mounio vient acheter lien encore. Dans le cas ça, qui ça marché a dit, ou vient gagner plus monde, le fait qu'on gagne plus monde qui a acheté à ce niveau-là, qui fait que point ça, ou bien zone ça a représenté en zone de support. Ça veut dire que les supportés prix token ou bien prix asset là pour pas qu'il descende plus bas. Ou du moins, l'autre façon qu'après support là, c'est que moun yo est que et asset là vin non prix de rabais côté que vous profitez acheter. Donc, c'est comme ça que vous regardez et support là, Christian là. Et encore, juste me réitérer, et support là, vous venez bien plus moun qui a vann nan point ça, qui fait que prix market là, prix asset là, pas qu'à continuer à monter dans le point ça, il est obligé de descendre. Ça fait pas descendre plus bas, l'arrivée dans le point support là. Parce que, en fait, ce n'est pas support là qui fait point, mais c'est point, c'est comportement mounio qui fait, et pas support là qui dirige comportement mounio, mais c'est comportement mounio qui peut dicter support là. Ça me pas s'il fait sens, parce que général, pour nous, mais dans la pratique, c'est cercle ça qui vient créer. Et le fait que tout trader, ou bien tout monde qui appelle l'ICAT là, les regarde des points ça, ou bien même réflexe là, qui baille et mot ça, ou définition ça, ou plus sens, ou bien plus valeur encore dans les gens qu'il y a payé, n'a pas dit, ou bien interprété ensemble. Donc c'est ça, pour nous comprendre tout, et point ça, yo formé tout au long temps a passé nan journée ou bien nan instant ou ap gade. En deux mots simples, c'est comme ça nous gade support là. Maintenant, c'est qui ça nous capable et faire avec lui. Par exemple, si que nous gade aspect vendre, aspect acheter, et l'idée ça qui est nous capable dire dans la question, nous parlons ça encore avec de meilleures images, c'est maintenant qu'on y a qui j'aime qu'à utiliser et information ça yo l'identifier sur un chat qui j'aime qu'à utiliser en avantage nous et il y a deux techniques qui presque y a pu utiliser qui c'est trade the bounce ou trade the break. Bounce les dit en coup son rebond ou est que login on ballon ouvre le plafond li retourne vin jwenn nou ou bien ou frappe sous plancher a li retourne vin jwenn nou. Ça c'est nous capable et bounce ou bien et rebond. Dans le cas ça, comme nous connaissons essentiellement les que prix market là sous identifié support et support résistance, les que prix après arriver dans résistance là, il y a tendance descendre, pas vrai? Les que arriver dans support là parce que la descend, il y a tendance remonter qui signifie bondir là hop et trade et bounce là. Donc dans le cas ça si que la paix m'a pas acheté les prix à l'ipral joindre sous support là parce que intention ou bien compréhension nous dès que prix à descendre les presque rejoindre support là les représenter au point d'achat pour moi. Donc si m'a trade des bounce les que prix arrivé là, il y a deux options. On peut apprendre avant d'arriver. Ce n'est pas ça qu'on sait du tout. Mais c'est tant les frapper sous lit. Là, les cas frapper, ils redescendent encore. Mais au moins, s'ils frappent la montée, on peut créer un point d'entrée à ce niveau-là. Les que on rassure que et prix à les frapper support là pour être capable remonter. Pour le capable remonter ou bien continuer à monter et n'en semer. Et de même, la donne, ou capable vendre le prix, les que, ou capable vendre à cette là, les que, et prix à monter vers résistance là. Comment nous interpréter ça pratiquement?
c'est dans même grâce à nous connaît que un monde qui a acheté là ou bien un monde qui a acheté là il pas le tendance vendre les résistances sur fin tracé effectivement et ça pas un meilleur cas classique de présentation. Nous on va regarder l'autre cas classique tout à l'heure, c'est que ça vient arriver les que pria a monté les arriver dans résistance là pour la résistance dans frapper et descendre. Donc dans cas ça j'ai deux options, soit me vendre avant de frapper résistance là qui pas toujours conseillé parce que les cas arriver il pas frapper les cas arriver tout juste passer à travers. OK, mais si n'a pas dans bounce là généralement on pas le temps les que frapper résistance là résistance là sont au niveau de prix. Il est capable de 50 dollars, 4 000 dollars, n'importe prix que token a frappé la donne. Donc, les consorts, je vais vendre parce que le fait que je suis en position, les frappes résistance là, avec intention que le prix continue à redescendre le support, mais capable de vendre et token moyen ou bien asset moyen à ce niveau-là côté cushion moyen. Il ça fait, dans le terme de support et résistance stratégique capable de jouer, mis à part l'autre indicateur technique qui gagne l'analyse technique, vous pouvez jouer des bounces, les tokens, les prix à monter, les que presque les arrivés dans zone résistance là, ou capable de vendre. Et à l'opposé, les prix à descendre ou dans downtrend, les que vous frappez, résiste, support là pour rebondir, donc vous capable de acheter là. Donc, c'est pratiquement trade de bounce, c'est vendre les que li frappé dans la résistance là, et puis c'est acheter les que li frappé support là. J'espère que ça plus ou moins clair en termes de présentation théorique de notions. Mais par contre, en plus de trade de bounce, vous pouvez trade de break. Trade de break, c'est qui s'allie pratiquement. Moi, si je n'ai pas une meilleure image, je n'ai pas une meilleure image, nous parlons pas image sous graphe ça de référence. Trade de break, ça veut dire qui ça? Ou bien chance tout, laisse ça à tes résistances. Par exemple, tes résistances, parce que le balance, ils ont quatre, on chat, ou capable d'analyser chat là sous et en longue durée. Tant que là, analyser de 29 décembre, 30 décembre, 31 décembre, janvier. Et 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier. Donc, ça qui est arrivé, ou capable d'avoir une histoire dans l'intervalle de 5 minutes, ça c'est un graphe Bitcoin, ou capable d'avoir une histoire d'ensemble de résistance, ou bien de résistance que et pria joindre à travers le temps. Donc, ça capte cerveau de vraiment de référence, même pour et temps. Dans le futur. Surtout que si ma dans 5 minutes, donc ça que tu passes le 31 décembre, 20 janvier, il y a des cas exceptionnels, mais ne serait-ce que c'était ou bien ce fut des résistances ou bien des points de référence dans chat de prière. Donc si ma dit ma trade des breaks, ça veut dire, une résistance moins, par exemple, qui déjà établi, les prières à monter, OK? S'il pas rebondi pour me trade de bounce, par exemple, je ne suis pas en position 1, je suis OK, je ne suis pas en position 1. Donc, je vais rentrer dans position 1 avec un achat. Je vais long là-dedans, par exemple, si prix a allé plus haut que résistance là. Parce que ça vient arriver et généralement, les que ou qui ont résistance qui t'a pris à pas, j'aime qu'à casser, le jour casser, les gains tendance péter plafond, quitter à l'inette. C'est ça, histoire balle. Mais il n'est pas obligé, toujours le cas. Mais en termes de technique, yo, généralement, les on résistance est solide. Automatiquement, prix a passé au-delà de points ou de zones de résistance. Ça, il y a plus chance pour prix a continuer monter. Dans le cas, ça, dans trade de break, ou pas le dit que, ou pas long, ou pas acheter à cette là, non point ça, parce que les gars ont pile chance pour le capable continuer à monter. Et à l'opposé, si toutefois, et nous cap garder un exemple de trade de break en parlant de acheter les prix à aller plus haut que et plus haut que résistance là, donc nous cap prendre qui prend cap prendre là,
et point bleu ça. Par exemple, nous avons regardé, nous avons dit zone 31 décembre, prix Bitcoin là, avec l'étape jouée avec résistance ça. Sa résistance là, parce que les touchés points là, c'est vrai, c'est support et antérieurement. On support qui a une résistance, nous allons discuter ça après. Donc, l'IRT, on support, on résistance pour Bitcoin là, mais nous allons regarder le jour que l'IPC, même quand il n'est pas arrêté en l'air vraiment, mais le fait que le passé résistance là, il a pété plafond et monter. C'est deux cas, soit que la frappe résistance là, il retourne descendre, les frappe pile, il retourne descendre. Et là, nous parlons pour l'autre exemple, puis bas, les écrasés support là, comme dans la résistance qu'on y a, nous, là, ils refrappent résistance là encore, ils redescendent. Donc, ça, c'est une grosse résistance liée. Et depuis qu'ils l'écrasent, ils continuent à monter, ils ne parlent pas en l'air. Effectivement, nous avons gardé la même stratégie, ou bien même point de même et répétition qui a fait à ce niveau. Donc, maintenant, c'est. Ces capacités pour nous-mêmes nous capables d'identifier. Ça, généralement, les actions fin passées, les plus faciles, vous avez un graphe, ok, et vous avez dit, ok, mais ça a été fait, mais ça a été fait. Mais l'élément qui est plus important, c'est les mots ça a été fait, c'est qu'ils sont capables de prédire ça pour le faire pour prendre une décision. C'est ça qui est plus important. N'importe qui, nous avons un chat là, nous regardons, nous disons, oh, il a fait ça, oh, mais ok, that's good. Mais maintenant, si nous prenons le jeudi à la, prière là, par rapport à ce qui est passé dans 15 minutes, dans 2 dernières heures de temps, c'est qui côté vous pensez prière pral aller. Mais ne serait-ce que, avant que nous venions de compréhension ça, nous sommes obligés de comprendre ça qui est qu'on fait, qui est un principe là, aller et généralement. Et l'autre élément que nous avons dit, c'est souhait de break, dans le cadre pour vendre, si que prière li passé li aller plus bas que support là et que nous cap garder si nous garder tuer de bounce de break à travers le support nous gagne plusieurs exemples nous gagne exemple ça là en vert trading de break à travers le support c'est que et point ligne ça n'a pas gardé là il était toujours représente il pourrait être un support dans intervalle de trading ça si nous prenons dans seulement petite zone ça il représentait yon support parce que il frappait le 1 il retournait il frappait le 2 il retournait il frappait le 3 il retournait jusqu'à ce que la remontée il frappait le 4 là encore donc il veut dire prix 4740 7415 dollars, ça, c'est un gros support lié et pour Bitcoin ou bien pour asset ça dans l'intervalle-là. Et le jour que nous voyons que les cassés support ça le fait, il descend jusqu'à ce qu'il forme un autre support bien bas. Donc, dans le cas ça, si dans l'intervalle ça, tout l'autre est là, vous tapez suivre. Pour te rentrer dans le tuyau là, ou pas te rentrer, ou t'as suivi là, pas rentrer, ou suivi là, ou suivi là. Donc, automatiquement, il descend plus bas que 47 415, ou du moins zone 47 410, 412. Réflexe là, c'est à va, tuyau. Il est vrai qu'il descend plus bas, et ça fait on support, on résistance, généralement, les pas y ont nombre. Fini, dit presque, c'est une zone ou bien un intervalle qui parce que, pas pour dire que qu'on atteint 47 415 là, ou bien il descend justement plus bas, il est obligé de descendre. Non, parce que l'IK a trouvé dans une zone donnée. OK? Ça que nous deux comprenons très bien. Nous allons montrer une chaîne qui a tracé zone ça, nous allons dans la phase pratique et trading viewer. Donc, ceci, pour nous résumer, si nous avons tué des breaks vers le support, ça veut dire que là, nous avons support que le token a frappé à cela va frapper plusieurs fois. Dès que descend plus bas que le support là, lit tacitement représenter un point de vente si nous sommes dans position. Ou du moins tout, si nous pas en position, nous pouvons rentrer avec un short là-dedans parce que le fait que les cassions support que le dégain, c'est que y a plus de monde qui a vendu que de monde qui a acheté. Donc, comme monde moins intéressé à acheter, il est plus intéressé à vendre
en quelque sorte. Donc, ça fait que prière, le fait qu'il casse ce support-là, il a plus de chances pour le capable continuer de descendre. Donc, ça aussi, c'est des signaux que nous avons utilisés pour nous capables d'orienter ou bien guider position, n'apprend les naptures. M'espérer et jusque-là, et théoriquement, et nous comprendre et ça m'a partagé avec nous. Donc, l'autre barrière qui est extrêmement important, c'est pour nous regarder comment nous avons tracé et point ça. Donc, chaque monde a une façon de tracer par eux, mais il y a des livres, les vieux m'ont dit que, ou attendre que point a touché. Ou attendre que prière a touché point ça au moins deux fois, au moins trois fois, pour qu'il y ait un bon support, bien pour une bonne résistance. Mais visuellement, l'habitude de garder le chat, dès que vous paraissez sous le lit, en quelque sorte, et identifier ou bien identifier côté que résistance là hier. Pas bien pour forcer, c'est juste pour observer l'histoire graphe là, et puis pour placer l'élément ça. OK. Donc, l'autre bas, comme leçon qu'on apprend, en résistance, là, on trace au non point exact, au point fini, pour montrer une présentation ça, mais dans tête, nous, en résistance, pas jamais une valeur de prix exacte. Généralement, ou après, les fluctuations, ou après que les n'ayons intervalle. Pour qui ça? Parce que, ou regardez dans là, par exemple, ouais, li passé point ça on te cal dit sous ta couille tu es de ta dit ou gain temps tu es de li mais il redescend encore donc c'est-à-dire que point ça quoi que li frappé la donne plusieurs fois li pas nécessairement c'est point 47415.97 là qui c'est soit support ou c'est résistance mais c'est plutôt c'est une zone autour de prix ça qui ont zone de support ou ont zone de résistance. Les que nous apprenons sur ça, puis bien, ça va nous plus flexibilité ou bien latitude pour nous capables identifier, dessiner ou bien tracer éléments sérieux avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de précision sous mon cadre. Donc, en quelque sorte, pour nous comprendre que au niveau de support de résistance, il n'est pas en chiffre ou bien en prix. Exact, c'est plutôt en région liée sous quatre là. Donc, un exemple pratique, ça, les crédits à Baby Pips qui t'a montré ça. Par exemple, nous avons regardé, si nous regardons ensemble de prix, ça, effectivement, et prix et paire de trading, ça, les couper 1,47 là plusieurs fois. Donc, ça va représenter un support, mais par contre, comme un support le plus représenté, lui, avec wick, avec pied et candlestick, parce que nous avons regardé, lui, aller autour de zone ça. Lui, pas représenté point 1,47, mais toute valeur qui est dans la région côté de nos cases bleues. Mais espérer ça a encore fait sens. Parce que ça qui vient arriver, si nous disons nous tapons tuer des breaks, ok? Et puis nous disons que automatiquement prix a dépassé plus bas que 1,47, par exemple, sur le graphe là, nous ne connaissons pas ce qui a passé dans zone ça, parce que généralement, ou à juste point T, ok? Donc, imaginez-moi là, et puis moi, le casser et résistance là, et support là. Nous disons là, si nous sommes dans la position map 20, ou bien si je peux la donne, si je suis en position et ma venue, ma fin position, ma fin position, si une position longue, si que je pas en position longue du tout, je tape short li parce que l'écraser aller plus bas que 1,47 là. Mais attention, nous avons regardé et grave ça, ben un aspect différent. C'est vrai, li casser 1,47 là, mais garde côté l'autre fil de la louvrir. L'autre chandelle là, l'ouvre plus haut, il n'est pas fermé en haut 1,47 là. Nous connaissons que, et normalement, l'un qui informe ça, c'est que côté prix à l'ouvrir, à côté le fermé, hein, c'est eux qui vont encore bougir. Donc, dans le cas ça, bougie ça, malgré que le plus bas prix que l'été atteint, l'été allé plus bas que 1,47, mais pas suffisant assez pour permettre que,
pour prier à continuer de descendre. Donc, qui fait que dans le cas ça, nous venons avec la notion de zone de résistance en guise de on prix fixe qui sert de référence pour dire que ça, son support ou bien ça, c'est une résistance. Sous grappe ça, nous captons tracer l'autre support à résistance. Mais imaginez gagnons dans zone ça là. Si nous gardons là encore, nous avons là en gros support et dans zone ça tout. Okay? Donc, c'est juste, il y a un pile flexibilité, il y a un pile subjectivité dans la question et tracé graphe là. Et ça fait, c'est au plus on comprend les règles de base, c'est en plus ou même on est capable et construire propre stratégie et observation par. Donc, l'autre question qu'on est capable de répondre, c'est qui j'aime qu'à connaître que ce pourra lire. Les casser ou pas. C'est-à-dire, est-ce que, je te dis à Snap, tu es débrouillé, comment on peut confirmer ça? Honnêtement, recherche a montré que les n'y pas de réponse qui clouait dans du béton là-dedans. Qui sort à vérifier? OK, est-ce que prière fermée plus bas que point de support là? Ou bien est-ce que le fermé plus haut que point de résistance là? Donc là encore, les n'y pas de réponse qui finit sous lit, mais en pile suggestion montrer que les prières descendent plus bas que support là par exemple, et puis les fermer plus bas que lit, l'autre bougie a fait. Donc là, au cap, presque une certaine confiance que les casser support là, ou à l'opposé, les casser résistance là. Mais encore, c'est ça, il n'est pas toujours vrai que lorsqu'il fermait en deçà de résistance là, ou de support là, ou bien au-dessus de résistance là, que il cassait pour autant. Parce que le fait que marché a pris à fluctuer minimum, maximum, et puis côté l'ouvre, côté le fermé, donc on toujours gain variation ça qui peut influencer et transformer. C'est ça qui fait que, vous parlez, il y a des gens qui parlent, bien des gens qui expérimentent, qui leur tracent résistance support, ils presque voulaient conseiller que nous utilisions des lignes, des lignes, des lignes en guise de candlestick, puisque le fait que candlestick là, libre influe. Machia, mais l'ina li résumé fermeture, c'est-à-dire li vraiment bon en meilleure tendance dans variation, dans fluctuation, pria et jusque-là. Donc, encore, en résumé, si nous avons besoin de Snapchat bounce et de break, il y a un élément pour nous garder est-ce que pria li casser support là ou bien casser résistance là, c'est est-ce que bougia li fermé pi bas que support là ou bien est-ce que li fermé pi haut que li les que nous belle li bal impression que li cassé là et il y a un autre élément un autre exemple encore ça ou bon règle générale là mais ça c'est des contre-exemples qui montrent Jean Machia et a fonctionné là encore crédit à Baby Pips pour et Chata effectivement nous pas regarder bougie ça elle est toujours fermée en bas et il fallait l'ouvrir là, il fermait là donc il fermait en bas 1.47 là. Nous sommes tous d'accord avec ça. Donc ça te qu'a dit nous que next suite là, shot li ou bien si nous en position longue pour me fermer li, si me pas connaître position du tout pour me shot li, mais regardez ça qui passe après next candle yo. C'est vrai il fermait là. OK? Next window là, l'hiver, il relouvre même côté le fermé, hein? Il remonte, il remonte, jusqu'à ce que il monte plus haut encore. Donc, maintenant, si Stackfen dit que, et analyse technique, ce n'est pas une science exacte, il y a un paquet, c'est vrai, il y a un peu de mathématiques, mais il joue sur probabilité, et pour moi-même, les plus sur une question d'art. Pour qui ça? Ou bien de sciences sociales, même si nous voulons. Parce que les gombas qui sont importants pour nous garder dans Machia a une pile variable qui est influencée, qui est incorporée en dedans prière. Et il y a une information qui est incorporée là-dedans, yo varie en nouvelles, en tweets, en commentaires, en annonces que projet à faire.
ça seulement suffit pour faire que et pas gagner que utiliser une analyse technique qui respecte nos intervalles de temps donné. Parce que ce n'est pas trader en soi qui a bougé prix. C'est que c'est information hein, qui joue sous émotion moun kap acheté ou moun kap vendre et puis qui fait que prix li file monter ou bientôt li glisser descend. Et ça, à l'aise technique là, li pas fait tout anticiper sur ça. Ça pour ça que vous comprenez. Parce que li parle et de comprendre ça qui passe, mais ça qui parle passe dans la seconde, dans la nouvelle seconde là, il parle dépendre de qui, si, par exemple, quelle information, c'est acheteur-vendeur qui a trade, laisse ça à l'aise technique là, il y a tout le sens li pour être capable projeter et faire projection sur le prix qui va venir. Mais dès que il y a une nouvelle qui a un poids qui est là, donc regarde une bonne nouvelle, fait que ouais, on prie à filer monter sans explication. Comme ça, tout, on prie à filer descendre sur la bonne nouvelle, ou tendez, gain tel et projet ça, il est impliqué dans tel, et, ou bien il y a tel et produit, il est livré à telle date, le fait que l'a manqué et deadline, là, date limite là, et puis investisseur ou pas content, prix à descendre, ou bien produit à dire qu'il peut le faire, il peut le réaliser tel bagaille qu'on a tout le monde surexcité et puis tomber acheter. Ça, yo, analyse technique pas capturé. Wapwell n'a pas passé, mais il va pas être projeté. Projeté. Ça fait des gens qui tuent news, par exemple. C'est les gens qui vérifient les nouvelles qui viennent dans la journée, ils regardent qui va être trending et puis. Vous prend position et par rapport à lui. Donc, ceci pour nous cap dit non que même dans l'aspect théorique là, les que qui viennent qu'à identifier, qui viennent qu'à identifier support, résistance, qui est brisé ou pas, il y en a qu'à aussi les que ou gagnez prix à qui fermait au-delà ou bien en deçà de niveau A, mais nous, ouais, grave ça montre que il n'est pas toujours le cas. Ça qui vient demander qu'on a nous-mêmes tout, nous ne venons pas qu'à fonctionner là-dedans tant que c'est robot, c'est toujours garder le bon sens pour être capable d'ouvrir et positionner et comprendre et tuer NAP et NAP. Donc, ceci pour capable dire que, et Jean-Noël là, contre 47 là, pas de cas servi de support, mais support là, t'as plutôt son zone. Ça qui vient repliquer dans zone ça. Donc, si un support, il y a une résistance, basiquement et pratiquement, l'IPA en chiffre défini, mais c'est plutôt un range, un domaine de nombre qui, en dans lui-même, lui représente soit support là, ou bien soit résistance là, qui fait que nous pouvons passer dans le fait que candlestick là lui-même, candlestick il représente toute variation qu'a fait dans le marché à un instant donné, à plus haut prix, plus bas prix, côté l'ouvert, côté le fermé. Donc, pour nous capable limiter et marge d'erreur que nous avons là, donc, il y a des experts qui conseillent que les nappes tracées, support et résistance sous grave nous, sous graphique nous, nous utiliser des lines, des charts côté que c'est link qui n'a eu, mais ce n'est pas et bougie et ou bien candlestick et qui n'a eu. Pour qui ça, parce que candlestick là, gen, bougie a un aspect lui-même, le fait que l'utiliser, yon prix, yon nan prix dans l'intervalle de temps, yo, donc ça danse plus régulier par rapport à. Régulier par rapport à et bougie. Par exemple, il a choisi seulement utiliser point de fermeture là, point de clôture là. Donc, il prend tout prix de clôture et puis il connecte, il fait en ligne. Donc, ça a vraiment plus consistant dans représenter et mouvement prix que candlestick. Parce que normalement, il reste à savoir que chaque fonction spécifique qui permet que vous êtes capable d'utiliser comme outil ou bien comme moyen de décision. Donc, dans le cas de ça, nous avons gardé une zone de résistance li tracée dans la mesure où il y a un nombre de fois que l'inchat là, les poils frappés à un prix défini. Si nous regardons dans le passé,
Dans la zone, ça, par exemple, il est vrai que le premier prix, ça n'a pas touché 1,25 ans. Deuxième, n'a touché. Troisième, n'a allé plus haut. Donc, ça seulement suffit pour combiner presque 3 à 4 points pour bailler en zone 2. Là, comme il faut appeler, c'est qu'il descend, il faut appeler descendre pour créer une zone de résistance pour variation de prix, ça, à travers le temps. Et ceci est tellement intéressant, malgré que l'été cassé, résistance à nous est que les piquets montés par l'avion l'autre, résistance à tellement gros, l'aile redescend, la joindre là-dedans encore pour le capable toujours trade en deçà de résistance là. Et en même temps, tout, 1,22,45 là, il est presque touché 2 à 3 fois, donc il vient développer. J'en t'ai dit encore, ce n'est pas un prix qui définit point de résistance ou bien point de support là, c'est plutôt une zone de support pour trade là. Là, le cadre est subjectif, objectif, mais l'idée, c'est comprendre et sens qui est là et que nous-mêmes, qui nous cas mettre à profit pour nous. OK, donc quelle autre considération que nous sommes capables de faire ensemble avec Katio? Nous dit que les que il a pile chance, il a pile chance, ou généralement ça qui arrive, les que prix a allé plus haut que résistance là, c'est-à-dire que les prix a dépassé, par exemple, 0,122 ou bien zone ça, sa résistance en cet instant. Donc, automatiquement, ligne ça vient servir en ligne de support pour Priya. Et puis tout, si que nous gardons que Priya vient aller dans résistance là avec yon, là, il frappe le tourner, nous avons dit que ça, c'est un bon, une résistance qui est extrêmement solide pour prière. Parce que à chaque fois il arrive là-dedans, ça nous attend de nous dire, ah, il teste résistance là, à chaque fois il descend, il descend, ou du moins il arrive là-dedans en bas, il frappe, il monte, il frappe là-dedans, il monte. Donc ça, 4, 3, 4, 5 fois, ça veut dire que vraiment, son zone de support ou de résistance qui est assez fort pour prix à cette là. Et à l'opposé tout, si que nous venons gagner une zone de support, je ne t'ai pas dit là, non, tu fais des briques là, que prix a allé en deçà de prix ça, hein, ou bien en deçà de zone ça, il y a pile chance pour n'attendre que, et zone ça va nous présenter une résistance qu'on y a pour lui. Encore, ce n'est pas toujours le cas, mais de façon traditionnelle, de façon fondamentale, c'est ça que nous espérons, ou bien qui est toujours passé. Mais je ne suis capable de là, ce n'est pas nécessairement. Donc, pour nous résumer sous partie ça comme considération sous support avec résistance, les que et prière a monté à plusieurs reprises, les frapper résistance là, ou bien zone, les tourner, les frapper les tourner, nous avons tendance à dire que prix ça a représenter une grosse résistance et point ça représenter une grosse résistance pour prier à l'IPA cassé. Même j'en tout, si la frappe pendant la descente, il pas jamais cassé pour descendre plus bas, c'est que ça représentait un gros support et pour prier. C'est-à-dire que après ça, un paquet de monde qui gagne ordre qui attend automatiquement. C'est ça qui fait son support. Depuis prier arrivé là-dedans, il est long. Il va acheter le métier là. Okay? Même j'en tout, depuis qu'il arrive dans la résistance là, yo shortly, ou bidoumès, yo siote long, yo ferme une position. Qui la laisse arriver, vraiment nous dit qu'on support une résistance qui est très fort pour prix à cette ça. Et si que li passe dans n'importe sens, si que li ta frappe dans support là, en pile, dans descendre, les paca, je lui vais descendre, il y a plus de chances pour supporter ça, tourner en résistance. Et inversement, si le tabou ma résistance là, en montée à plusieurs reprises, le jour où il y a une chance de tourner en support pour prière.
Donc, l'autre élément qui est important, bon, je pense que c'est un tableau qu'on pose là, mais tu aimes bien ton fond seul fini et puis dans l'ouvrir ces questions. Mais ça, nous allons aller plus rapide là-dedans. Dès que nous comprenons base et support résistance là, tout ça qui est lié avec, et ça nous carré les trend lines ou bien ligne de tendance de prix ou bien channel. Channel, c'est presque et presque même concept, yo, mais le fait qu'il n'y a pas flat, il n'y a pas disposé et de façon et horizontale, parce que plus des liens obliques, mais c'est toujours le même concept là, maintenant, c'est au présentement. Donc, dans le cas ça, nous avons regardé et toujours dans le cas du support résistance, bien ça crée les lignes de tendance, ou bien tout qu'un des terminologies anglaises là, qui c'est et trend lines. Il même qui ça que l'IBA ou, au cas gain deux points qui j'ai tracé, au cas gain deux points qui pivot, par exemple, en dans deux points qui pi yo dans ligne de pria qu'on y a ou tracé ligne de tendance là ou tracé trend line qui bon est-ce que dans intervalle m'a regardé ya c'est-à-dire de 5 minutes 15 minutes est-ce que pria a descend effectivement ça l'aime prend prix qui pi ou avec prix qui pi ba yo la kabam trend line qui dit mon downtrend effectivement tout si que m'a besoin moi prix a monté le fait me demander pour qui ça nous utiliser li parce que généralement les prix a monté li gen ti côté li prend li fait respirer ça carré les pullback donc côté que tendance l'a changé donc les que ou gen ligne de tendance l'a qui pour tendance actuelle là ou ka ouais qui j'en li solide et que si que li casser tendance l'a à un certain niveau il gagne pile chance li le casser tendance l'a pour capable descendre pour être capable de changer de direction opposée. Comme là, si on tendance est montée, dès que nous avons deux points, nous faisons une ligne ça plus longue, le prix a monté, that's fine, qu'on a automatiquement cassé tendance ça, nous avons attendu moins par principe que la continue descend. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais tendance de trade là, c'est ça. Si nous avons uptrend, et puis qu'on a et prix à les casser et tendance de prix à casser trend line, nous connaissons là, nous avons vu dans le sens opposé trend. C'est-à-dire que grand changement, nous avons le reverse, on change, on reverse, on divergence, whatever. Non, nous avons là, nous avons regardé au pire et plus tard, et ça a de prendre la décision de s'il tape monter, pour être capable de sortir. Si que tendance a changé, ou bien si ça descend, pour être capable de rentrer. Bon, normalement, comme c'est future nap trade, donc c'est plutôt long short, dépendant de tendance que et nap suivre là. Et trend line, yo gen généralement trois sens yo capable de prendre. Un, si prix a monté, donc a disons tendance à la hausse, ou bien trend en uptrend. Comme ça, tout, si prix a assez de la dégringolée descend dans l'intervalle là, liste downtrend. Mais comme ça, tout, généralement, c'est ça, nous sommes surtout avec support résistance que nous avons tout à l'heure. Il y a toujours des supports de résistance qui ont été, bien entendu. On uptrend, on non-uptrend, ligne up, ligne en bas, ça, représenter un support pour prière. Donc, il y a des swaps, tu as ça qu'il faut le toucher, au cap toujours long, sous pas long là-dedans. OK? Donc, après ça, après, downtrend, nous avons sad, sad waist trend, côté que prière, l'IA monter, la frapper, monter, descendre, tant que c'est nos aspects sinusoïdales en dans un intervalle vertical donné. Donc, il n'y a pas ni quitter le monté net, ni quitter le descendre net, il y a joué là-dedans. Finalement, c'est lui, un peu mon tracé comme sur résistance pour trade dans yo, mais trend lines horizon oblique yo, il est capable toujours bord des points d'entrée et de sortie. Et dans le pied de notre lame, nous avons bien, on a besoin de deux points qui pi ou ou bien deux points qui sont bas pour tracer trend line, non, mais au moins on a besoin de trois points pour confirmer et ligne de tendance là. Pour confirmer trend line. C'est-à-dire que lorsque TradingView va tracer trend line, on va tout chercher deux points pour carrelier, mais son troisième point qui a besoin qui vous dit ça, c'est en trend line que Priya représentait pour asset que NAP étudier.
Donc, nous gagnons à l'opposé, ou bien en plus de tuyens de l'agneau, nous gagnons ça qu'un carré les Chanel yo. Mais si nous bien gardons toute logique, c'est presque même bagaille yo, sauf que et, en guise de on chain line, en ligne, ou bien deux lignes parallèles autour de prix. OK? Donc, pas besoin d'aller en plus, c'est. En plus dans ça, donc c'est un cas ça, ça qui plus haut généralement représente résistance pour prière et ça qui plus bas encore tendance à représenter support pour prière pendant que et là et pendant que prière a continué faire et fait chemin. Donc et il y a toujours même tendance nous gain avec chain l'agneau, il est capable en channel qui a monté op channel, li ka on channel ki bon pri ki ap desan, kon sa tou, li ka djou ke pri a ap fluktuye entre support et résistance, la vertikalman, donk ou menm tou, sou ap suiv li, ou kap ap tuye li nan ti interval sa pou ap fe e diferans de pri ki egziste entre deux nan channel la, sa di entre deux trend line et ça. OK, bon là, parce que nous presque et n'a avancé. Donc, nous te font si passer théoriquement comment nous cap ici jouer avec et support et résistance, bien entendu. Donc, si que et avec image, nous te well tout à l'heure, mais là, nous cap supporter encore plus. Si que nous habitués à nous caler de bounce. Ben, tout ça, nous dit nous là, de façon pratique, c'est au final qui s'allie, c'est les que nous-mêmes nous guions, quatre devant nous guions graphique, nous, qui viennent qu'à mettre les outils, ça, on la donne pour nous prendre des décisions nécessaires. Donc, les que si nous habitués de support résistance et qui c'est un élément qui est extrêmement puissant pour un monde qui fait commencer, OK? Donc, Lenzi trade de bounce qui s'allie, c'est que effectivement, moins gagné, moins qui trace support moins déjà par rapport à ensemble de prix qui était passé avant ça. Et puis, qu'on y a là, les prix à descendre, il y a un support là, on sait qu'à acheter les presque arrivé, par exemple, mais l'op trade de façon, on dit classique, si vous voulez. Et on parle entrer là-dedans après bounce là, fin fait. Après rebond fin fait. Pria ap descend, li touche support là, li bam tendance effectivement que li vle remonter la map longli. C'est-à-dire map longli, si m pat nan position an, si m te non short position parce que m te pran en haut nan résistance là, de short li, donc lè mwen bounce a fait. Là, c'est une bonne position pour être capable de sortir dans la position short là. Parce que j'ai une pile chance pour être capable de remonter vers la résistance là encore. Donc, ça, c'est ça qui fait. Si je ne suis pas dans la position du tout, nous voyons que le ball entry order ou car entry order après bounce là. Et si sans souhaiter, il ne va pas aller dans la direction où penser à, donc on mettez stop loss sous. Tout prêt à tout. C'est-à-dire qu'il arrive que vous pensez la conscience monter le fait petit bounce là et puis les redescendre. Ce qui est très faisable. Quand on fait respirer, nous font acheter là, mais pas assez vendeurs, pas assez acheteurs qui pour pousser prix à plus haut, qu'on peut acheter là et puis le continuer downtrend là. Donc, là, ça, stop loss là, après d'où sortir la donne et vous capable réanalyser et momentum là pour connaître qui gens et où rentrer. Ça, c'est vous loguer en support et horizontal. Mais par contre, si vous avez une trend line qui te gagne, qui capte une trend line qui te pas en haut, qui t'abord, ou t'es non downtrend, par exemple, donc, ou capable, ou t'es en position 1, ou gagne une ligne de danse là, après l'IFAB la donne, la tournée, ou gagne un bel point d'entrée là, pour t'être capable soit sauter long la donne pour shortly. Sauter long là-dedans pour faire une position, hein? Ou bien tout, si ou pas de corps dans position du tout, ou t'as suivi un trade là, pour rentrer, les que pria frapper dans la ligne de résistance là, ou rentrer au dehors ici.
Je sais ou confirmer que la descente. Mais nous connaissons que il n'est pas nécessairement obligé faire ça classique la mandia. Donc, dans le cas ça, ou un stop loss qui tout prêt à qui protège, s'il pas aller dans le sens où tu penses, pour qu'il y ait d'eau, sortir dans la position, ou pour un petit perte, qu'on a là où elle réveille, pour qu'il y ait bien rentrer encore. Donc là, si vous avez trade et des bounces, pour capable et rentrer et sortir dans la position. Trade des bounces, c'est ou tracer, ou identifier support résistance, ou bien deux zones, et puis ou veiller que les prix a frappé la donne, et puis la changer de direction là où positionne. Comme ça, tout, ou capable à l'opposé de trade des bounces, ou capable de trade des breaks, ou capable faire de façon agressive, ou bien tout capable faire de façon conservative. J'ai un exemple qui vient de façon agressive, c'est que ou pas ou capable, bon, t'as de présenter conservative là avant, mais bon, on prend agressive là, c'est que je ne dis pas, dès que Priya li casser la descente, li aller plus bas que support là, li tout offrir une porte d'entrée pour moi dans position comme cas short. OK? Parce que li casser support là, il a pile chance pour être capable de continuer descendre plus bas que côté li, plus bas que support là toujours. Donc là, si m'agressive dans le trade là, ma prendre dans le trade là, à ce niveau. Automatiquement que les cassés, les supports là, m'entrent dans le trade là automatiquement. Là, très agressif, mais toujours, toujours est-il, et stop loss sont toujours là. Automatiquement, parce que le cas qui me casse, et puis, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui t'attend li dans le support ça là, ok? Et puis, là où elle descend, puis bas que lui, c'est trop content pour y acheter le plus bas toujours, donc qui remontait prix. Donc, d'où l'importance de stop loss là. Ça, de façon agressive. Mais maintenant qu'on a tout, nous capturons de façon conservative, c'est-à-dire nous pas poter bourré, nous pas trop presser sous lit. Donc, dans le cas ça, même quand il casse support là, ok, même j'ai là, il casse support là, il passe à travers lui, il y a une possibilité pour le capable de remonter. OK? Maintenant qu'on est là, on va le confirmer et on va le confirmer tant dans ce là, malgré le fin cassel, il rechange de direction montée à, il a frappé support là. Maintenant qu'on est là, je que le frappe, il vient temps pour bounce dans lui tant que son résistance. Donc dans le cas ça, le frappe pour descendre, là il vient tourner un bel point d'entrée pour moins que me confirme parce que un, il casse ce support là. Là, aller pour le remonter support là encore, il n'est pas capable. Donc là, tendance descendante, ça a son belle entrée pour me capable shortly parce que il a pile chance ou bien possibilité pour le descendant vraiment haut en pile. Donc là, je vais miser sur position pour rentrer en short position. Ou bien tout, si je prends un risque non longue position, je vais dire, là, les bombes sont fermées pour me capable soit sécuriser pour film ou bien minimiser le risque. Et dans le cas ça, même quand nous avons confirmation ça, dans la méthode, dans l'approche conservative là, même toujours, pas jamais oublier, nous toujours quitter un stop loss si sans souhaiter, li pas faire ça comme tu as anticipé l'affaire pour protéger tête moins ou bien pour protéger portfolio non et non trade là. Donc en gros, c'est dit comment nous capable trade support résistance, c'est toujours bounce, capture des bounce ou capable trade des break. Des bounce confirmer que les prix a descendre, li frapper dans support là, la continue à remonter pour me capraner. Ou du moins tout, si prix a monté, je rachète que le frappe dans la résistance là pour me faire descendre. Dans le cas ça, je trade par exemple long là, ou bien je trade short dans le cadre de frapper dans bounce dans la résistance là. Donc, simple, il frappe dans le support pour le remonter, je long la donne, ou bien je ferme short position. Si que il frappe dans la résistance là pour le descendre, je ferme en long position. Et pour être capable d'ouvrir en short position potentiellement. Toujours est-il fixé, stop,
Et puis, l'autre élément, c'est cette brique-là. Avant que je rentre, si je prends position à travers les que prière franchi pose et support de résistance. Donc, si le franchi support là, je suis capable de tout rentrer automatiquement, les franchir, même capable prudent tout, tant que les fins franchir, s'il a remonté encore pour le redescendre, c'est à ce moment-là qu'on est capable et rentrer dans position toujours avec mettez stop lossement. Donc, en gros, c'est ça. Bah, quand si y a une question avant, pour faire un petit passé tout petit sur TradingView, mais c'est ça en gros que moi te gain pour nous et Aswea. Et m'espérer mon te gain chance li et Baby Pipsio n'a pour que li vraiment et parce que les mains qui m'utilisent ça yo n'a pas venu yo il est vrai que yo en anglais n'a pas venu sur Baby Pips pour nous capable faire pratique et plus et maîtriser yo. Donc à ce point parce que pour TradingView là li Bitcoin semble à reprendre. Bon, ben c'est là que je suis capable de dire, présentation pratique là est finie. Je vais ouvrir à question. Donc, juste l'élément que je mentionner sous ça. Si maintenant, c'est l'un sous un graphe qui est capable de tracer support avec résistance. Donc, dans le cas ça, je suis sous graphe Bitcoin. Tu prends un graphe et Matic de préférence. Oh, Matic a passé misère. Oh, regardez. Il me dit qu'il m'a acheté lui. Bon, bref. Yeah, donc, dans le cas ça. Yeah, Matic, Ethereum, ETH. Oui, Jean Dabdia, si nous avons besoin de tracer support, résistance et sous-graphio, nous avons un élément nous avons utilisé. Un, nous avons une ligne et horizontale là. Si nous prenons un trend line là que nous avons besoin, par exemple, nous avons ajouté ligne ici. Là. Nous sommes capables de prendre ligne horizontale là que nous avons utilisé en pile pour et support et résistance en termes horizontaux. Donc, élément clé nous besoin, c'est rectangle parce que zone 2 est les plus capable baou plus et zone 2 et résistance là. Par exemple, avec Ethereum là, si nous prenons un graphe de 1 heure temps, par exemple, donc nous sommes capables de placer des résistances sous l'île si nous trade dans 1 heure temps. Et là, nous sommes capables de garder que nous avons une résistance à ce niveau-là. Qui pas fin confiné, mais si nous avons une résistance, nous avons plus mettre ici à là. Ben, ça paraît une grosse résistance pour moi, parce que prière vient là-dedans un paquet de fois, jusqu'à ce que les bat bas sous lit, et je dis à moi, il descend à l'énergie. Donc, et snap tracé, nous, en guise de tracé un point, ça a plus représenté un support qui vraiment gros pour Ethereum. Donc, non, ça son résistance parce que les frapper la donne, les redescendre, là, pas arriver la donne du tout. Les frapper la donne là, dans la zone, les redescendre. Il veut frapper la donne, il descend. Donc, au moins, nous avons 3 points qui confirment que zone SA, c'est-à-dire entre 3828 et 3862, c'est une grosse résistance liée pour Ethereum. Ethereum, PACA et PACA franchi. Donc, si nous avons tracé un lot de résistance ou bien un lot de support, nous avons gardé l'arme, nous avons mis un support dans la zone SA. Parce que nous voyons que ici, à prière, je viens plusieurs fois descendre. Donc, si nous avons tracé résistance, nous prenons un rectangle.
Et normalement, ça représentait un gros support pour Ethereum tout, jusqu'à ce que l'écrasé, je dis à Noël Brickley, Noël, bah, elle a s'écoulé, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il fait presque 8 dernières heures de temps et va descendre. Malgré que l'y frappe ici à l'y descendre, l'y frappe. Donc, ça, c'est une idée pour nous qui sommes capables de tracer et support avec l'essence là. Je garde il pas nécessairement un point parce que nous avons longueur et pied ou bien mais ça, avec ça, côté rivière à de ça ou même, mais nous avons gardé l'autre mèche qui descend plus bas que nous. Donc, quand il y a là, ça, nous pouvons vérifier dans la zone ça encore pour regarder s'il remonte tête li, est-ce qu'il est capable de frapper point ça. Donc, maintenant là, qu'on est-ce qu'on peut entraîner Ethereum ou pas, l'idée, si nous avons une position là, il faut surtout garder, il faut garder dans la journée, qui nouvelle qui fait seulement depuis ça. Et l'aime on baisse qui suit 8 heures d'affilée, généralement, dit qu'on ne pas trading per se, en soi qui a fait ça, mais c'est une nouvelle quelconque qui gagne et qui gagne sous ma chair. Et Snapchat, c'est ligne de tendance tout. Dans une temps ça, nous avons plusieurs, dans le graphe de une temps ça, nous avons regardé plusieurs lignes de tendance. Snapchat, c'est, on a besoin de ligne principale ça ou bien trend line. Donc, si je prends là, nous avons gagné, si je prends point pi bas ça, à deuxième dans pi bas, ça, c'est bon, on ligne de tendance. Donc, comme pas de connaître combien de prix ça a arrivé, nous sommes capables pousser aller net. OK? Pendant que l'aime relier point pi bas ça avec point ici là. Mais ensemble, point ça, le fait que nous avons dit, dans l'intervalle ça, nous venons gagner un trend line up. Par contre, l'aile rivée ici, elle est en train de craser ligne dans ça. Nous allons utiliser rentrée sortie là, mais nous avons regardé que effectivement, les tracé tendance, ligne de danse là, Libanon ont certains supports pour prix Ethereum jusqu'à ce qu'en ce niveau, il n'y ait pas qu'un de supports encore, l'écraser pour être capable et descendre. Et ceci, livré pour même zone ça tout. L'autre bar, pour nous comprendre, il y a un pile subjectivité là-dedans, dépendant de où qu'a fait analyse et tendance de prix. Mais un bagage qui est certain, c'est que à chaque fois, on va analyser, on va mettre contexte là-dedans pour supporter décision que on va prendre. Donc, si on a sorti dans qui ont tracé ligne de tendance là, donc à point qu'on y a, ça nous décale channel là. Channel pour nous capable et ou du moins deux lignes et parallèles pour nous capable tracer et pour nous capable tracer support et résistance là à la fois dans le channel là. Dans le cas ça, nous ne pouvons pas dans le channel là, non, nous allons descendre jusqu'à parallèle channel. Donc, nous allons cliquer sur les plus cas. Tout disponible pour nous comme dans favoris. Et à ce moment-là, mon cap toujours placé au niveau même ici, placé tendance de parallèle ça. Donc, normalement, nous cap prendre un point là. Nous relier ici. Et puis, descendre. Mais pas ce premier ça. Donc, Noël, Liban, nous avons une représentation de fluctuation prix Ethereum dans l'intervalle ça. Donc, avec une moyenne côté quoi ligne entre T et ça, et deux points ça représente un écart, ça n'est qu'un écart type, et c'est une variation de prix extrêmement par rapport à la moyenne. Donc, tout ça, yo, par exemple, si vous avez trade pour garder si. Et tendance là assez fort, tendance montée, ça n'était pas carré le momentum là. Ou après que si là c'est fort, et tu vas faire un paquet de temps à trade dans intervalle ça. Mais automatiquement, il y a moins de monde qui va acheter
que moun ka vann, napre li getans kite channel la. Et l'élément ça arrivé, nous attendons deux bougies paraître, nous gardons couleur qui vous dit snapshot li dans intervalle là ou pas. Donc, dans la pratique, en théorie, c'est ça que je t'ai porté pour nous. Je vais l'ouvrir à la question pour nous capable fermer et session ça. Donc, l'ouvrir à commentaire si vous avez que qui présentait de façon différente, interactive, et libre pour nous partager l'opinion, nous, et puis nous-mêmes pour nous faire ajustement nécessaire à l'avenir. Donc, sur ce, moi, je dis parole pour nous toutes et dans le groupe là.